Améliorez votre expérience sur Internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur Internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Ah, chers amis, bonjour, bon Dieu que ce match contre Lorient va être important. Il va être important parce que ça fait des jours et des jours que nous parlons de ce calendrier du mois d'avril et de ce premier match de ce mois d'avril, justement contre les Lorientais. Les Lorientais qui n'ont plus battu Montpellier depuis 14 matchs de rang. Et le dernier souvenir que nous avons gardé des Merlus, ma foi, est plutôt bon, puisque c'était à l'occasion de la 7e journée de championnat, le 1er octobre dernier, avec cette victoire à l'extérieur au Moustoir et le doublé d'Accor Adams, qu'on aimerait bien aussi inspirer qu'il le fut au match aller. Pour ce match retour à la Mosson, Accor Adams qui avait marqué 2 des 3 buts de la victoire montpelliéraine en Bretagne. Alors, les Lorientais, bien sûr, eux, luttent plus que jamais pour éviter la relégation. Ils sont derrière nous. C'est la 8e attaque du championnat quand même, mais la dernière défense de la Ligue 1. Voilà qui peut donner des idées à nos attaquants ce dimanche. Et pour notre part, bien sûr, ne compter que sur soi-même. Essayer de bonifier plus encore la victoire du week-end dernier au Havre. Et puis, nous verrons bien, sachant que les Nantais qui nous collent à la roue affronteront l'équipe de Lyon. Strasbourg, juste devant nous, sera à Toulouse. Ma foi, les difficultés des uns seront comparables aux nôtres, sauf que nous serons à la Mosson. Et à la Mosson, bien sûr, on comptera sur le 12e homme. C'est vous, parce que vous devez venir massivement encourager l'équipe de Michel Derzakarian, qui a fait un pas intéressant vers le maintien au Havre dimanche dernier et qui en ferait un encore plus important si d'aventure l'équipe de TJ Savanier pouvait doubler ce succès du Havre par un nouveau face au Merlu. Voilà, c'est un match important donc. Ce dimanche à 15h, vous serez très nombreuses et très nombreux au stade, je n'en doute pas. Aussi nombreux avec nous pour suivre ce match en direct. Pas de doute non plus. Dimanche, 15h.